Écoutez, je ne peux être qu'heureux. Et le mot est faible, parce qu'il y a dans le mot heureux, il y a de l'émotion. L'émotion d'être dans un lieu qui a été décidé par Sa Majesté le Roi, pour cette mémoire collective, qui est le musée de la mémoire juive. À deux pas du musée de l'art de l'islam, et au cœur de ce musée, nous avons signé pour que, pour la mémoire, pour, on a signé pour le musée de l'art de l'islam au cœur du musée du judaïsme. C'est extraordinaire parce que ce musée de l'art de l'islam va être le plus grand, un des plus grands au monde par les objets et aussi par la surface. Comme vous savez, c'est un palais ancien, très très beau palais, qui a été fabuleusement restauré. À l'identique, bien évidemment, et en même temps, Sa Majesté, je me rappelle toujours, il y a un peu plus de 3 ans, quand il est venu donner le coup d'envoi des travaux du musée de l'art d'islam et le coup d'envoi de la construction du musée de la mémoire juive, ça a été quelque chose d'exceptionnel, parce que c'était un message envoyé au monde du Maroc, un pays de la paix et de la fraternité. اليوم تم التوقيع على اتفاقية بخصوص المتحف ديال الفنون ديال الإسلام اللي هي كتواجد في متحف البطحاء أو في قصر البطحاء. هذه الاتفاقية هذه كتخص الدراسات السينوغرافية اللي بمبادرة من السيد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف تم يعني تحرير هذه الاتفاقية هذه واللي كان وافق عليها السيد رئيس الحكومة وعطى تنخيص للوكالة أنها تعاقد مع مكتب دراسات متخصص في السينوغرافية وغيتم إذن في خلال الأيام القادمة انطلاق هذه الدراسة هذه لين بالرغم ديالها 2.5 مليون ديال الدرهم وهذه الدراسة هذه بطبيعة الحال غتمكن أنه المتحف يمكن له يتفتح في وجه العموم بعد ما يتم وضع جميع التحف اعتبارا للنتائج ديال الدراسة السينوغرافية.